On prend un doigt et on le met dans l'anus de quelqu'un d'autre, et sans son consentement, vous l'avez bien entendu, il s'agit là du jeu de l'olive, un jeu qui sévit dans de nombreux établissements scolaires. C'est un exemple parmi d'autres. Alors ici, dans ce collège Saint-Jacques de Moutier-les-Mauffets, on a décidé de prendre les problèmes de violences sexuelles et de harcèlement à bras le corps. On s'est rendu compte que les enfants étaient très touchés, qu'il y avait quand même un mal-être au niveau des enfants qui ne voulaient pas revenir au collège ou aller dans des clubs sportifs. Et on s'est interrogé à ce sujet et on a dit mais on doit faire quelque chose puisque les enfants ont besoin d'aide, d'être informés et d'être aidés. On a l'histoire par exemple d'un adolescent de 17 ans qui regardait des films pornographiques et qui a demandé à sa sœur de lui faire la même chose. Et c'est vrai que ça, c'est un peu plus nouveau aujourd'hui. Les réseaux sociaux n'arrangent rien, bien au contraire. L'établissement a alors mis en place un projet avec 5 jours de sensibilisation pour les 575 élèves du collège, 5 jours de formation qui auront lieu au mois d'avril, mais avant ça, dès aujourd'hui, les enseignants et le personnel du collège s'informent et se préparent, puis les parents d'élèves le mois prochain. Voilà la parfaite description du prédateur. Il était important pour nous de pouvoir nous lancer dans cette expérience, voire accompagnement de nos élèves et de nos familles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut passer une étape plus précise, plus dans l'accompagnement, plus dans la technicité, on va dire, parce que les lois sont les lois, la vie est ce qu'elle est et les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Donc il faut à la fois sensibiliser, informer, accompagner et aussi se prémunir de tout ce que l'on peut vivre dans nos établissements aujourd'hui. Un projet pilote d'utilité publique qui a vocation à se multiplier dans d'autres établissements scolaires.